J'ai vu la tête de l'hôtesse et que j'ai vu s'agripper à son siège. Je me suis dit, bon, je vais très probablement mourir. Air France 011, on est remis des gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion a fait à peu près n'importe quoi. Moi, j'étais au dernier rang, donc c'est peut-être un peu plus impressionnant quand on est au dernier rang qu'au premier rang, parce qu'il y a le réacteur qui est juste derrière, en fait. D'un coup, nous, on a entendu des tremblements, il penchait sur la gosse, il y a plein de gaz. Donc là, on a été collé à notre siège, puisqu'on est remonté extrêmement vite et en mode avion de chasse. Et pendant la remise des gaz, donc, il y a eu des trous d'air, et c'est là qu'on s'est dit. On décollait de nos sièges et il y avait les cheveux des gens qui étaient en l'air. Je vous rappelle. Air France Hôtel Whisky, stoppez la montée 1500 pieds immédiatement. Air France Hôtel Whisky. Oui, on stoppe 1500 pieds. Stop. Et tout le monde s'est mis à hurler et tous les objets partaient de partout. C'était un peu apocalyptique. L'hôtesse m'a dit qu'elle n'avait jamais ressenti des trous d'air aussi puissants de sa vie. Et moi non plus. Hein. Franchement, l'estomac qui remonte en haut du cerveau et dans les talons, c'est vraiment montagne russe, quoi. En moins marrant, parce qu'on a eu super peur. Quand il y a eu la montée, j'ai pris mon téléphone, je me suis connecté au Wi-Fi. Je suis prévenu ma famille en disant il y a un problème à l'atterrissage, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème. J'ai vu la tête de l'hôtesse et que j'ai dû s'agripper à son siège, je me suis dit, bon, je vais très probablement mourir. Je me disais ça hyper calmement et en me disant, voilà, bon, mes enfants sont très grands, donc ça va aller s'il m'arrive quelque chose. Et ça, après coup, ça m'a paru surréaliste, mais je crois que la plupart des gens réagissent comme ça, en fait. Le cerveau envoie une dose d'adrénaline qui permet de gérer la situation, d'être calme, justement, de ne pas partir dans tous les sens et de hurler et d'appeler sa mère, quoi. Et après, on s'est atterri, on a atterri sans aucune difficulté, tout en douceur, aucun problème. Quand vous atterrissez et que vous avez, je ne sais pas combien de camions de pompiers, des ambulances et la police qui est sur la piste, vous vous dites qu'il y a eu un truc, quoi. Et c'est que le lendemain matin, je me suis rendu compte déjà des grosses douleurs que j'avais au niveau du dos, de la nuque et tout, et je me suis rendu compte par les médias qu'en fait, cet avion avait véritablement un problème, que les enregistrements au niveau du cockpit et de la boîte noire ont démontré qu'il y avait une perte de contrôle de l'avion, et en lisant tous les rapports d'experts, qu'on est passé à 10 secondes un crash, et donc du décès de 290 personnes. Ça, il est très bien jusqu'au soir. Le soir, j'ai eu des flashbacks, des cauchemars, et j'en ai parlé aux passagers que j'ai pu retrouver par ailleurs. Et tous ceux à qui j'ai parlé, c'est la même chose. C'est-à-dire, le soir et surtout le lendemain, des crises d'angoisse, un état nerveux assez prononcé. Et si bien moi, je suis allée consulter, et tous ceux à qui j'ai parlé sont allés consulter depuis aussi. Hein. Et puis, ce qu'on a appris le lendemain, d'avoir écouté les échanges entre la tour et le pilote, où le pilote était quand même... il était paniqué, le pauvre, quoi. Enfin, il était essoufflé et il a perdu le contrôle des commandes, ça doit être affreux. Ça laisse des séquelles. Enfin, moi, j'ai plusieurs séances d'ostéopathie qui sont prévues pour venir replacer les cervicales, qui n'est pas de souci. Mais en tout cas, je suis en arrêt maladie. J'ai été placé en arrêt maladie et il va y avoir une expertise psychologique qui va être faite pour étudier le degré du trauma. Et il n'y a eu aucune communication. On a essayé de sortir de l'avion, passer les douanes, récupérer les bagages, rentrer chez nous, rien. Jusqu'au message que j'ai reçu après plus d'un 4 heures en ayant démarché Air France, c'est normal, on n'y est pour rien, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Ben non, ça ne va pas, il y a une enquête, votre véhicule est cloué au sol, la BEA est en train de faire un rapport dessus et les pilotes ont clairement dit qu'ils ont perdu le contrôle de l'avion, c'est actuel. Donc je pense qu'en fait on est juste passé à côté d'une catastrophe et que Air France cherche à minimiser leur part de responsabilité. On se dit aussi qu'il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose, peut-être mener une action collective. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on n'a pas la prétention de le savoir de toute façon. Maintenant, il y a une enquête qui est ouverte, donc très certainement qu'à l'issue de l'enquête, une fois qu'on saura ce qui s'est passé, il y aura peut-être quelque chose à faire. Le but, ce n'est pas de trouver un coupable, hein. Le but, c'est vraiment d'avoir l'explication et d'obtenir un dédommagement. Ah, je ne sais pas, notamment si on a tous dû payer des centaines d'euros de psy, au moins que ce soit pris en charge,
Il y en a qui vont avoir des ITT. Enfin, voilà, il faut juste s'occuper de ses passagers, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que je vous dis, les stewards et les hôtesses ont été impeccables. Le pilote, a priori, nous a sauvé la vie. Donc, on n'a pas envie du tout d'attaquer des humains.